Alors, bonjour, bonjour, chers abonnés. J'espère que vous vous portez très, très bien. Voilà, votre serviteur Rolf officiel business se porte vraiment très bien. Les amis, ce matin, je vais vous donner trois astuces. La première astuce, je vais parler de basketball, NBA. La deuxième astuce, je vais parler de football. Troisième astuce, je vais parler de football. Donc, si ce n'est pas encore fait, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Rejoins-moi dans mon canal Telegram. Le lien est juste en description de la vidéo. Rejoins-moi, car je commence une montante bientôt. Ok, voilà. Donc, pour la première astuce, nous allons partir sur le basketball. Ok, donc on cherche basketball. Une fois qu'on trouve, on clique sur basketball, on clique sur Paris sportif. Ok, et une fois que on trouve, on cherche ici le championnat NBA. Par exemple, le championnat NBA, ça c'est le plus grand des meilleurs championnats de basketball. Ok, nous on va prendre ça. Ok, une fois que on a ça ici, nous allons rechercher des matchs où il y a une grande équipe qui est favorite et une équipe qui n'est pas favorite. Ok, par exemple le match de Wizard et Raptor. Vous voyez que Raptor est favori, Wizard n'est pas favori. Donc c'est ce genre de match, on cherche un match où vraiment Il y a une équipe qui est favorite, une équipe qui n'est pas vraiment favorite. Ok, donc je vous ai déjà donné un exemple. Je vais chercher d'autres exemples. Ok, je vais chercher d'autres exemples. Voilà, comme le match des Celtics et Pistol. Ok, voilà, comme le match aussi des Pelicans et Jazz. Ok, donc comme le match aussi de Denver et Grizzly. Ok, donc c'est ce genre de match il faut chercher. Donc une fois que vous avez le match en question, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez cliquer ici et nous on va se focaliser sur l'équipe qui n'est pas favorite. Donc on va chercher cette option là. Ok, on va chercher ici l'option équipe qui va gagner la première mi-temps. Attends, je vais épingler. Équipe qui va gagner la première mi-temps. Donc ici, on voit que l'équipe qui n'est pas favorite, c'est Wizard. Donc on peut dire c'est 1. Et l'équipe qui est favorite, c'est Raptor qui est 2. Ok, donc on va cliquer ici sur cette option. Équipe qui va gagner la première mi-temps. Ok, donc ici, on voit que ici, c'est l'équipe 1 qui est pas favorite. Ok, c'est l'équipe 1 qui n'est pas favorite. Donc on considère que la première mi-temps, première quart, hein, on considère que c'est l'équipe 1, comment elle passe favorite. Donc on considère qu'en première mi-temps, première quart, hein, puisque en basket il y a 3 mi-temps, vous pouvez appeler ça quoi, il y a 4 quart. Hein. Donc on considère que première quart, hein, c'est pas Wizard qui va gagner. Voilà, donc on prend ici équipe 1. Non, donc on dit équipe va gagner la première mi-temps et le match. Équipe 1, non. Voilà, vous prenez ça, vous ajoutez ça à votre coupon de Paris. Voilà, donc voici la suite qui est là. Maintenant, nous allons chercher ici un autre match. Voilà, on va chercher le match de Chelsea Crystal Palace. Voilà, avant de le faire, vous avez des critères que vous devez respecter. Vous cherchez des matchs où l'équipe favorite a une cote de 1,7, 1,8 et l'équipe qui n'est pas favorite a une cote de 3. Donc déjà, ces genres de match, il faut bannir déjà. Ok, puis sur l'option que je vais vous montrer, ne joue pas avec. Ok, voilà, donc bon donc ce que vous devez comprendre, c'est ce que j'ai dit. Voilà, mais moi je vais prendre le risque de prendre le match de Bradford et l'autre. Ok, voilà, donc ici il faut prendre l'équipe qui est favorite, là qu'avoir une cote de 1,7, 1,8 et l'équipe qui n'est pas favorite, là qu'avoir une cote de 3.
OK? Voilà, bon, je considère que ça, c'est 1,7, 1,8, OK? Je vais prendre des bonnes fautes, je vais prendre un risque, et je vais le faire, OK? Voilà, donc, je vais cliquer. Une fois que c'est fait, je vais cliquer ici. La première assist est au moins une équipe va marquer. Au moins une équipe va marquer. Voilà, on dit plus de 3,5 buts, c'est-à-dire disons plus de 4 plus de 4 buts, OK? Voilà. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Brentford un Brentford et Wanderers il y a une équipe qui va marquer jusqu'à 4 buts. Il y a une équipe qui va marquer jusqu'à 4 buts. Ils n'ont pas dit une seule équipe, mais ils ont dit au moins une équipe qui va marquer jusqu'à 4 buts. Donc, sur le match est terminé. 3-3 et 3-2 vont couper les gagnants pour ceux qui vont prendre non. OK? Voilà. Donc, sur le match est terminé, 3-2. Votre coupon est gagnant. Si le match est terminé 1-2, votre coupon est gagnant. Si le match est terminé 1-1, votre coupon est gagnant. Mais si le match se termine 4-0, 4-1, 5-2, 10, 15, votre coupon est perdant. L'astuce ici, c'est de prendre non. Ça arrive très très rarement. Je ne dis pas que c'est sûr à 100%, mais à 98%, ça rentre. Donc, pour éviter les matchs où les gars se marquent, comme la Ligue 1. Ivoirienne, ça c'est un des hommes ivoiriens. Comme la Ligue ivoirienne, il faut prendre les matchs où l'équipe favorite a une cote de 1,7, 1,8 et où l'équipe favorite a une cote, une équipe n'est pas favorite, une cote de 3. Donc vous prenez et vous prenez cette astuce. Vous pouvez prendre plus de 3,5. Non, c'est non, vous prenez. Vous pouvez aussi prendre plus de 4,5, plus de 5,5. Plus de 6,1. Dans tous les cas, il faut prendre toujours le dernier. Alors, mon ami, si ce n'est pas encore fait que tu veux bénéficier de plusieurs bonus, d'énormément de bonus sur Ainsbet, utilise le code promo AinsRoyal, gagne des points et gagne des bonus. Avec ces bonus et ces points, tu peux te mettre à jouer, gagner. Une fois que tu gagnes, tu seras payé en vrai argent liquide. OK? Donc, si ce n'est pas encore fait, désinstalle les anciens comptes, crée un nouveau compte avec le code promo AinsRoyal. Royal, tu peux faire l'inscription en un clic ou soit tu peux faire aussi l'inscription en inscription complète. Ça va dépendre de toi. Mais tu équipes bien AS Royal. OK? Avec ce code promo, tu bénéficies de plusieurs bonus. Voilà. Juste en description, s'il y a le lien, canal Telegram. Voilà. Ça, c'était la deuxième astuce. La troisième astuce, c'est but d'affilée par une seule équipe. Je vais faire en même temps un coupon. Voilà. Donc, cette action attendez, cette option-là, vous pouvez combiner jusqu'à 6. Vous pouvez combiner jusqu'à 6 matchs. C'est très sûr. Vous pouvez combiner jusqu'à 6 matchs. Au moins, si une équipe va marquer une mi-temps, ça peut vous donner une cote de 1,6, 1,5. C'est bon pour les montantes. Donc, ça marche énormément. Vous pouvez combiner jusqu'à 6 matchs. OK? Voilà. Donc, maintenant, voyez la troisième astuce qui est but d'affilée par une seule équipe. OK? Voilà. Donc, ici, but d'affilée par une seule équipe. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà, cela veut dire que au cours du match, jusqu'à la fin du match, une seule équipe va marquer un but, deux buts, trois buts, quatre buts. Si vous prenez oui, maintenant si vous prenez non, une seule équipe peut pas marquer un but, deux buts, trois buts, quatre buts d'affilée. Voilà. Donc maintenant, je vais vous expliquer si où le coupon est gagnant et où le coupon peut être perdant. OK? Voilà. Où le coupon est gagnant si de la première mi-temps et la deuxième mi-temps, Brentford, je prends l'exemple de Brentford qui est l'équipe favorite. Brentford marque le premier but sans être interrompu, marque le deuxième but sans être interrompu, marque le troisième but sans être interrompu, marque le quatrième but sans être interrompu et que but d'affilée par une seule équipe, il y a quelqu'un qui a pris 8, votre coupon est gagnant. Ça, c'est quand tu prends le 8. Maintenant, si celui qui prend le non, voilà. Donc, on prend l'exemple toujours de Brentford. Si Brentford a marqué la première mi-temps et la deuxième mi-temps, Brentford a marqué le premier but, deuxième but d'affilée et le troisième but,
c'est Wonders qui marque notre coupon est gagnant. Parce que nous, on a pris non. Voilà. Mais une fois qu'il est interrompu, il est interrompu, une fois que Bradford est interrompu, on revient à zéro. Ok? Donc, on considère ici que Bradford n'a pas marqué les 4 buts d'affilée. Ils ont été interrompus. Ok? Ils ont été interrompus. Parce qu'il ne faut pas vous tromper. Il y a affilé et puis marquer les 4 buts. Affilé, c'est-à-dire qu'il marque 1, 2, 3, 4 sans être interrompu et le match fini. Là, c'est affilé. Mais tu marques 1, 2, 3 et y a l'autre équipe marque 1 qui est interrompu. Par exemple, tu n'as pas marqué les 4 buts d'affilé. Voilà. Donc, c'est l'astuce qui est là. Donc, l'astuce, vous prenez le nom. Vous allez crier oui, non, non, patron, mais chez Ludo, la cote n'est pas vraiment ça. Voilà, c'est pas obligatoire de prendre 4. Non, vous pouvez prendre 3. Mais c'est que vous connaissez ces équipes-là. Vous êtes parti dans les statistiques, vous connaissez ces équipes. Raison pourquoi il faut beaucoup suivre les matchs en direct. Pour connaître les équipes, leur manière de fonctionner. Ok, avec quelle équipe, cette équipe peut mettre 15 et avec quelle équipe, elle a des difficultés. Donc, c'est vraiment très important des fois de suivre les matchs. C'est pas parce que nous, on s'assoit devant la télé en regardant les matchs. Cela veut dire que nous, dans notre tête, ça va pas bien, on n'est pas intelligent, mais on n'a rien à faire. C'est parce que là, on veut maîtriser les matchs, on veut maîtriser certaines équipes pour pouvoir tester nos différentes astuces là-bas. Pour que ça puisse rentrer facilement. Parce qu'il faut prendre tout ça là en compte aussi. Ok? Voilà. Donc, je pense bien que j'ai bien expliqué. Je vais expliquer une dernière fois. Donc, on dit billet d'affilée pour une seule équipe. Voilà. Pour que nos coupons soient gagnés ici. Si on a pris non. Par exemple, moi, j'ai jamais intéressé à non. Si on a pris non, voilà. Sur le match, Brentford a marqué 1 but, 2 buts, 3 buts. Le 4 but, c'est Wanderers qui a marqué. On dit que Brentford ici a été interrompu. Donc, nos coupons est gagné. Mais pour que nos coupons soient perdants dans le premier mi-temps et la deuxième mi-temps, si Brentford a marqué 1, 2, 3, 4 et le match est fini, nous, nos coupons est perdants. Voilà. Mais s'ils ont marqué 1, 2 et que Wanderers a marqué 1, ils ont été interrompus. Ils n'ont plus marqué d'affilée. Puis c'est l'autre équipe qui a marqué. Donc, c'est ce qu'il veut dire ici. Là, donc, moi, je vais prendre plus de 4 noms. Bon, c'est été sélectionné, mais c'est pas grave. Donc, je vais prendre bien combiner deux, voilà. Bon, c'est moi-même, j'ai fait, donc je vais me biser, quoi. Voilà. Donc, les amis, voici un peu les différentes astuces. Voilà. Donc, j'espère que vraiment ça va vous aider chez vous. Ok? Voilà. Donc, laissez-moi en commentaire ce que vous pensez de cette astuce si vous testez ça chez vous. Donc, prenez soin de vous. On se voit la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était votre serviteur, Wolf Self Business. Et vous, merci.